combien est-ce que deux personnes peuvent faire leur provision ou combien ils vont dépenser pour faire la provision d'un mois, tout un mois, donc faire tous les achats complets. Alors moi, je vais vous présenter tout ça, je vais faire tous les achats et puis je vais vous montrer combien j'ai pu gaspiller pour deux personnes. Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi aussi, je vais très 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 bien. Alors, je remercie toutes les personnes qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages, des textos, tout ça. Donc, je suis vraiment avec vous du cœur. Aujourd'hui, je vous amène un nouveau vlog, là où on va essayer de faire tous les achats. C'est-à-dire, on va faire la provision d'un mois. Vous savez, je vous avais parlé de vidéos, je pense que j'avais parlé de comment vous pouvez faire votre provision, comment vous pouvez gaspiller pour la dépense d'un mois. Alors, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer combien je puis gaspiller et puis je vais vous montrer le partir aussi. Donc, restez avec moi dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, rapidement, abonnez-vous parce que dans cette chaîne, il y a toujours des choses maravilleuses. Maravilleuses, ça veut dire en français ou en portugais. Non, ça c'est en portugais. Alors, des choses merveilleuses. Alors, restez toujours avec nous et puis on va faire les achats ensemble. On va découvrir combien on peut dépenser pendant un mois. Et voilà, en fait, je suis déjà arrivé au Ping Dos. Là, on va faire nos achats. Donc, voilà. Ok. Et voilà, c'est là où nous allons faire nos achats. On va entrer là-bas. On va faire là. On va savoir comment est-ce que combien on va gaspiller. Je vous rappelle que les achats que je vais faire, c'est. C'est pour le mois complet. C'est là où on va tout savoir comment est-ce que combien est-ce que je vais gaspiller. C'est ça. On va faire pour le mois complet. Nous allons entrer ici dedans pour en fait continuer à faire nos achats. Et voilà l'entrée. Maintenant, je vais acheter les poissons. Pour cela, je disais qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de poissons ici au Portugal. Donc, vous n'imaginez pas tous ces poissons ici. Donc, voilà. On va 100 kilos de carapan aussi. Si. Pode só escolher os maiores, por favor. Et encore ici, j'aime ça aussi. On appelle ça, c'est le chorizo. Donc j'aime ça. Et je vais prendre deux chassés. Donc deux chassés de ça avec deux chassés de ça aussi. Donc voilà, j'amène ceci.
Hein. Oh, bah. Eh? Ah, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça. J'aime beaucoup accompagner les boissons là avec c'est moi. Je vais voir ici. Je pense que c'est avec ça. Fruits? Non, c'est pas ça. Ok, c'est ça. J'aime accompagner avec ça. Donc les boissons là, si vous mélangez avec ça, avec du citron, ça c'est déjà du citron, mais si vous mélangez encore avec du citron, donc ça fait du bien. J'aime aussi ici, ça aussi, je vais amener ça. Ok, ici aussi je vais prendre ça, le feuille. Ok, c'est ça, le feuille. Je prends le feuille et je puis ça aussi, voilà, les deux ici ça va. Et voilà, encore, après avoir tout réorganisé, c'est-à-dire organisé, j'ai tout organisé, tous les achats que j'ai pu faire, lorsque j'arriverai à la maison, je vais vous dire combien est-ce que j'ai payé à tout ça. Donc, on va voir ça à la maison. Je vais vous dire combien est-ce que j'ai tout gaspillé pour la provision d'Iran un mois. Donc, restez avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite de notre vidéo. Alors partagez aussi et laissez aussi votre j'aime. Ça fera toujours du bien. Et voilà, donc je suis là. On vient à peine d'arriver maintenant à la maison. Avec tout ce que vous avez vu que j'ai acheté, j'ai fait la provision que j'ai dit, j'ai fait pour un mois. J'avais parlé d'une vidéo où j'avais fait une vidéo où je parlais de combien vous pouvez faire comme dépense pendant un mois. Si vous économisez, je ne sais pas comment. Donc j'avais fait une vidéo, si vous voyez sur la description, je vais laisser aussi la vidéo. La provision que j'ai fait, c'est pour deux personnes. Donc c'est pour deux personnes, toutes ces choses que j'ai fait là, c'est pour deux personnes. Justement, regarde ce qui est en train de détruire ma chaise. Bah. Ah ouais, il est toujours comme ça. Donc voilà, c'est pour deux personnes comme je viens de le dire. Maintenant, je vais vous montrer combien j'ai pu gaspiller pour ces provisions. C'est fini, j'ai fait comme ça, je mets dans le congélateur tout, je regarde tout, c'est gardé. Alors je vais vous montrer combien j'ai pu gaspiller. Regardez, voilà, ce sont des fartirs qui m'ont été remis lorsque j'ai fait les achats. Donc il y a des fartirs. Pourquoi est-ce que j'ai des fartirs? Parce que j'ai des cartes bancaires différentes. Ça c'est notre carte bancaire, ça c'est notre carte bancaire. J'ai fait deux fartirs parce que j'ai pu diviser le montant. Alors, ici, combien est-ce que nous avons? Vous voyez, c'est ça ce qu'on a appelé total à pagar, c'est-à-dire valeur totale à payer. Dans cette facture, il y a 55,35 euros que je payais. Et puis, dans cette facture ici, il y a aussi 115. Alors, pourquoi ces valeurs ici de 27, ici 16? Donc, si on voit ces valeurs, c'est-à-dire plus ça, ça fait 60, combien? 60, donc 71 plus ça, je pense que c'est 72, on dit ça 72, donc ça fait 72 parce que comme il y a la promotion de produits, alors j'ai pu avoir les bénéfices de ça. Moi, on a enlevé ça comme bénéfice, comme on m'a fait la promotion, donc j'ai payé ça, on a enlevé ça.
également ici avec ici. Donc si j'ajoute ça, ça fait 127 €. Alors lorsque, comme il y a la promotion, on a enlevé les 27, je paye 100. Alors imaginez-vous sans la promotion, ou disons en fait avec la promotion, ça sera 55 plus 100, c'est-à-dire 155 € je paye pour ma provision durant un mois avec promotion. Alors sans la promotion, ça sera 72 plus 127, alors donc environ 200 €. Vous voyez, donc environ 200 €, j'ai fait la provision de 200 €. Et voilà pourquoi je vous dis que les choses ici au Portugal, c'est moins cher. Donc tout ça, ça fait 200 €. 200 € pour deux personnes. Alors imaginez-vous pour une seule personne. Comme j'avais parlé dans l'autre vidéo, celui qui n'a pas suivi la vidéo, ça sera dans la description. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc une personne, ça sera combien? 100 €. Pour deux personnes, j'ai pu faire le gaspillage de 200 € pour un mois. Alors c'est pour ça que je vous dis que les choses au Portugal, c'est vraiment très très moins cher. Vous avez toutes ces choses là que j'ai pu acheter. Donc voilà. Alors si vous êtes notre abonné, faites-vous plaisir, ou faites-nous plaisir aussi de partager la vidéo et de laisser votre j'aime. Et puis si vous n'êtes pas encore notre abonné, abonnez-vous. Pour favor, comme on dit ça en portugais, abonnez-vous pour plus de vidéos. Alors nous, on reste ici et puis je vous dis, on se revoit à la prochaine vidéo. Restez bien, bye.